Voici un extrait de Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes. Ce passage se situe au tout début du roman. Le père et les frères de Perceval sont morts au combat. Pour le préserver, sa mère l'élève loin du monde de la chevalerie. Mais un jour, il voit des chevaliers et a une révélation. Il veut en devenir un. Il part à la cour du roi Arthur, gagne une armure au combat, puis arrive chez le seigneur Gornement sans avoir jamais reçu de formation. Le seigneur était expert dans le maniement de l'écu, du cheval et de la lance, car il l'avait appris dès l'enfance. Quand il eut fait sa démonstration, il revint vers le jeune homme qu'il avait regardé émerveillé en notant le moindre détail. Ce qu'on ne sait pas, on peut l'apprendre si l'on veut s'en donner la peine. Mon cher ami, dans tous les métiers, il faut courage, effort et expérience. Ce sont les trois conditions pour acquérir n'importe quel savoir. Mais puisque tu ne l'as jamais fait ni vu faire par quiconque, il est normal que tu l'ignores. Il n'y a aucune honte à cela. Il le fit monter à cheval et le jeune homme se servit de la lance et de l'écu comme s'il avait toujours vécu parmi les tournois et les guerres ou parcouru le monde en quête de batailles et d'aventures. Tout cela lui venait de nature. Lorsque nature est favorable et que l'on y met tout son cœur, rien ne peut être difficile. Le noble seigneur était ravi des bonnes dispositions de son élève.